Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons ouvrir ce coffre magique et nous allons faire quelques petites games. Donc, allez, on va commencer par le confirm game. Pour quand même vous laisser un peu de suspense. Hein. Après, on va ouvrir le coffre. Et après, hein. Du coup, j'ai tout le temps le petit deck là. J'ai un peu joué depuis, j'ai fait une game et c'est là où j'ai eu mon coffre magique. Voilà, ça. On va flécher tout ça. Oh, le pré-shot! Oh là là! Ah, grâce à ça, j'ai mis la tour ultra low. Je l'ai défoncé la tour. Allez, Nas, ça charge. Oh, ça donne un coup. Oh, peut-être le deuxième. Nice, nice, nice. On va mettre la mousquetaire fond de terrain. Voilà, comme ça. On va mettre trois petites gargouilles parce que ça prend l'aggro. Voilà. Le cochon qui va grasser. Les fléchettes très mal jouées de sa part, on va pas se cacher. C'est reparti pour retenter. Le mini PK qui est très très fort dans les basses arènes, que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Il m'énerve de squelette un peu trop tôt. On réfléchit tout ça. Hein. Ok, bon. Bon, le fait pas très bien jouer de sa part. Hein. Et c'est là. Victoire! Bien joué! Ça, j'adore les genres d'événements comme ça, parce que tu gagnes masse or, en fait. Et puis, l'or, c'est la vie, on va se cacher. Allez, on va ouvrir le coffre magique. Donc, on va essayer de débloquer le mini PK, comme j'ai dit avant. Donc, là, il y a des petits copains, non? C'est une tapstone. Du géant, non? Ah, ça, les gargouilles, c'est bien. Ça, c'est nul. Et une sorcière, ça, j'aime bien la sorcière. On va tout de suite l'ajouter au deck. Donc, du coup, ça, on va l'utiliser. Voilà. On va améliorer. Plus, on va améliorer ça, voilà. Et donc, du coup, oui, du coup. Donc, nous allons relancer une petite game en essayant d'avoir un petit coffre à couronne. Voilà. Petit prince footman, chevalier plutôt. Je me tromperai tout le temps, décidément. Son clan est leur chaud. Après, à savoir si lui il est aussi chaud. Nice, mon plan s'est passé comme prévu. On va flécher tout ça vite, vite, vite. Ta là là. On pourra ce qu'il n'aura pas le temps de taper. Au moins, s'il pouvait. Voilà. Et là, t'as donné un petit coup. Ouais, ça c'est bien. Je vais mettre trois petites gargouilles pour défendre. Ouais, on va attaquer direct avec un petit chevaucheur de cochon. Petit gratte, mine de rien. On va se laisser faire gratter un peu la tour. Voilà, on a perdu pas beaucoup, beaucoup. On va mettre encore un prince pour le map. Voilà, la petite PDF. On va flécher tout ça.
direct. J'ai pas les flèches. Est-ce qu'il a posé sa robe de squelette? Ah non, il a pas posé. Mais ça va pas empêcher que je tape. Et je pense qu'on va prendre la tour. Ah non. La tour à portée de main, donc ça c'est bien. Après attaquer direct. Voilà. Paf. Je comprends pas l'intérêt de cet tour. Et du coup, c'est la victoire. Yeah. Nice. Du coup, j'en ai trop. Combien de trop? Et on passe à 800. Je sais pas. On va essayer de. Bah, de ref. D'essayer tout simplement de faire. De je sais pas moi comment vous dire d'avoir un petit coffre à couronne. Voilà, la sorcière quand t'as un niveau de plus c'est bien parce qu'elle a moins de choses du coup la horde de squelettes que la horde de squelettes, c'est ça le problème d'un deck prince. Et qui est le ballon, je suis mal, j'ai rien pour défendre l'aérien, moi je suis mort, j'ai déjà perdu d'avance. Pas très bien joué de sa part. Bien joué. Oh, en même temps, j'ai posé le cochon. Oh, oui, là, on se squelette. Oh, je suis mort. Hein. Bonne chance. Bon, ils vont tous du même côté. Oh là là. Mauvaise. Elle vient de faire une erreur. Bon là globalement il est en train de gagner. Hein. Mais ça il va poser son ballon, je pense, forcément. Voilà. Profiter pour contre-attaquer direct. Voilà. Du coup le prince il est un peu près de l'aggro et comme ça il a permis de faire avancer tout simplement. Alors j'ai perdu la tour, c'est sûr. Je pense qu'on arrive à shipper une tour là. On va BDF tout ça. Allez, shipper une tour. Oh non, punaise, même pas. Bah, bonne chance. Bien joué. Bonne chance. Ah, j'ai même pas réussi à choper une tour, ça, je suis deck par contre. On va se repartir. Hein. Je pense que ça va être la dernière game. Voilà. Donc la vidéo, je pense que je vais les faire de 10 minutes. Hein. Parce que bah, je trouve ça, c'est, ça va, 10 minutes. Je veux dire, c'est pas trop long et c'est pas trop court. Ok, oh là là, oui c'est tout pris. Oh là là. Là je BDF tout ça, j'ai raté. Ah non en fait, pas si raté que ça. Avec les trois petites gargouilles. Franchement le ballon c'est vraiment une très bonne carte.
sur ton bon niveau parce que t'as pas la robe de gargouille et tout, t'as pas. Aussi, mon deck est pas très bien, j'ai que la sorcière et les trois petites gargouilles pour défendre, donc tu fais bébé dragon et balloon, je suis mort. En plus, la tour a un one-shot même pas mes squelettes. Ça, par contre, c'est bien. Ouais, ça tente un gros push là. Qui je pense qu'il va nous donner la victoire. Voilà. Bien joué. Bien joué. Et bonne chance. Voilà. On va ouvrir le petit coffre de gemmes, des petits squelettes, des géants. Et nice, le baby dragon. On va remplacer le baby dragon par les flèches. Voilà, voilà, ça m'a l'air pas mal. Là, j'ai une quête, on va récupérer. Ça fait des petits chelons. Bientôt un coup de faux, donc deuxième mini pack opening. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça me fera super plaisir. Et puis, bah, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à commenter. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Bye bye.